Salut tout le monde, c'est Polo et bienvenue sur Black Foot sur le seul moment du harcèlement magnifique. Puis je suis vraiment devenu obsédé de ceci. Y'a quelqu'un qui voulait me taper les chouchous, ah le maudit. Alors la dernière fois ce qu'on a fait, on a acheté un fruit permanent. C'est le bouton qui est juste là qui me permet de devenir gigantesque et de faire wacha, 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 détruire tout le monde super rapide au plateau. C'est pas magnifique cette affaire là? J'ai lu vos commentaires sur ma dernière vidéo sur ce jeu et vous m'avez donné beaucoup de conseils. Et avant de les appliquer, je veux tout d'abord... Ah non, c'est pas faire prendre son bain à ce mec là. C'est aller acheter un fruit avec ce mec là, voyons donc, pourquoi pas. Donc, on va aller voir ce qu'il va me donner pour 167 000 $. Donc, on l'achète tout de suite et nous avons le Spring Fruit, le fruit de Bellamy. Ah, je sais pas si je vais l'utiliser, mais au moins, je vais le storer. Et là, j'ai une question à vous poser. Le truc, c'est que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de fruits avec moi. J'ai le Ghost Fruit, j'ai le Rubber Fruit, Dark Fruit, Spring Fruit. Combien de fruits je peux avoir dans mon inventaire? Genre, est-ce que je peux en avoir illimité ou bien je peux juste en avoir quelques-uns? C'est ce que je me demande. Et le manager qui est là, là, il veut pas me servir mon jus que j'ai commandé. Et alors là, plusieurs d'entre vous m'ont parlé des raids. Et là, je vois ta raid, je sais même pas c'est quoi cette affaire-là, là, mais... Plusieurs d'entre vous m'ont dit que je dois faire un raid pour évoluer mon fruit de Bouddha. Je sais pas c'est quoi cette affaire-là, mais ce sera pour plus tard. Plusieurs d'entre vous m'ont dit aussi que c'est super dur. Faut que je demande de l'aide aux gens. On va voir ça dans le futur. Alors, le shop. Vous savez quand il y a des trucs out of stock, dans ma tête c'est comme oh, les gens les achètent non-stop, c'est pour ça qu'il y en a jamais en stock. Plusieurs d'entre vous m'ont dit que non, c'est juste aléatoire, comme parfois ça peut être en stock, des fois ça peut pas être en stock, tout le monde peut en acheter, vous voyez ce que je veux dire. Alors, le truc c'est que j'ai envie d'acheter tous les fruits qui sont là, juste pour le plaisir parce que je suis riche, mais je suis sûr que c'est pas la bonne chose à faire. Alors, Tonton Polo va se retenir. Ok, yeah, yeah. Je vais pas me transformer en Bouddha, j'ai pas besoin de le faire! Ah, 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 j'ai obtenu 10 minutes de 2 fois expérience quand j'en ai 23 heures et 24 minutes. Ben, 14 minutes tout à l'heure là, mais bon. Alors, une autre chose que plusieurs d'entre vous m'ont dit. Prends ceci, Black Spiky Code, parce que c'est meilleur que le Pink Code, ça me donne plus d'énergie en fait. Regardez en bas, je devrais avoir 11 565. Voilà, ok, c'est ça, ça donne 200 énergie de plus. Et puis, pour pouvoir voir les statistiques de ce truc là, Baltiro, c'est la première fois que je le vois. Baltiro. Oh, c'est le plus grand fan de Luffy, ce mec-là. Alors, ouais, c'est ça. Plusieurs d'entre vous m'ont dit d'aller parler au nerd qui est là. Et il va me dire qu'est-ce que je peux... Attends, c'est ça. I see that accessory grants you 7.5% more damage on any attack, 200 énergie and 200 health. C'est ça. Donc, il faut que je parle à ce mec-là pour savoir à quoi servent mes items qui sont là. Le pink code, ça me donne pas beaucoup de choses, si je me rappelle bien. 10% plus de dégâts sur les guns. Hein, ouais. Et 200 vies. J'utilise pas de guns, alors j'ai pas besoin de ça. Alors je vais prendre le Black Spiky Code. Anyway, les amis, on n'a plus le temps de niaiser. On s'en va détruire le monde. Oui. Je n'ai pas peur. Je n'ai plus besoin de bateau. Ah, ah, ah. J'ai tellement d'énergie. Puis je peux aller là-bas sans bateau. Tout ce que je dois faire, c'est spammer le bouton Q. Pour vous, c'est le A, je pense. Hein, parce que moi, j'ai un clavier QWERTY. Alors vous, c'est AZERTY. Ouais, je crois que c'est ça. La plupart de mon audience se retrouve en Europe. Donc, ouais, vous avez tous des claviers hasardés. Anyway, je vais y aller. On n'a pas le temps de niaiser. Les bateaux, c'est pour les faibles, les amis. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mon bonhomme, il a bugué un peu, man. Donc, je fais en sorte que cet endroit, c'est mon home point. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais on va le faire. Donc, j'espère que je pourrai détruire les gens rapide au pression comme d'habitude. Et... Qu'est-ce qui se passe? If I get to buy, I will stop TBA. Attends, Wenlock, dead for disrespecting his master, we will always remember you. Ok, ouais. Oh, 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 attendez, des zombies. Ne me dites pas qu'on va jouer avec Gecko Moria après, ça va être tellement drôle. Tata, papa, je suis gigantesque, vous ne pouvez pas me détruire. Alors, Graveyard Quest Giver, zombie. Ah bon, ok, on va détruire des zombies, les amis. Regardez ma stature, regardez ma splendeur avec le haki. On va voir ça va prendre combien de temps pour détruire ces bonhommes. Vraiment pas beaucoup. Et en plus, ils sont tous là à côté de nous, ce qui fait que je peux farmer ça rapide au presto, hein. Quand même, regardez ça. Donc, en quoi 30 secondes, je pourrais compléter cette quête selon moi. On va voir ça. Voilà, ça c'est le 5e bonhomme déjà détruit. Et là, le 6e bonhomme se retrouve juste là. Je l'avais détruit avant d'avoir complété ma quête, man. Mais ce bonhomme, au moins, lui spawn super rapide au presto. Regardez ça, en moins de 30 secondes.
4 complétés, level up jusqu'à 955. C'est totalement insane. Les amis, c'est totalement insane, ça prend même pas 25 secondes pour compléter cette quête. Alors là, je suis bientôt au niveau 200... désolé, 200... 975. Si c'est 275, il y a un gros problème, les amis. Alors là, après, je pourrais aller attaquer des vampires, je pense, man. Mais honnêtement... Ce Fribouda là, c'est pas un petit peu trop cheaté, il devrait le bannir, non? Puisque je peux farmer super rapidement comme ça, mais moi je ne dis pas non, ça pour vrai. Alors, regardez ça! 975, je peux aller détruire les vampires et aider Luffy. Mais les vampires ils sont où? J'ai vraiment aucune idée, j'espère qu'ils sont pas si loin que ça. Et attendez, là-bas? Vous croyez que c'est... Ah bah oui, c'est ici les amis! Non, on va tous les détruire, regardez ça, on va... excusez-moi ou bien j'ai lagué? Ouais, je pense que oui, ça prend combien de temps pour l'enveloppe? Il faut que je détruise 8. Ça devrait juste prendre 25 secondes, comme d'habitude. Alors, d'habitude, eh ben, quand je dis d'habitude, c'est dans le temps, j'avais le free magma. Ça me prenait 24 secondes juste pour rassembler tout le monde. Et là, en 24 secondes, je peux compléter la quête avec le free Bouddha. C'est totalement incroyable. J'arrive pas à croire que j'ai acheté ceci. Et ça, c'est grâce à vous, man. Alors, encore un bonhomme à détruire et on l'enveloppe. Ta-da-da! Je peux plus me passer de ce free, c'est beaucoup trop cheaté. Je suis encore impressionné par la rapidité à laquelle je level up tellement vite, c'est crazy. Et pour ceux qui se demandent, oui, j'active toujours le haki d'observation pour pouvoir améliorer mes dodges. Je fais même exprès de me faire taper, comme ça je peux dodge les amis. Parce que plusieurs d'entre vous me disent, Polo Polo, utilise toujours le haki d'observation, comme ça tu vas l'améliorer. Je le fais toujours, ne vous en faites pas. Mais bon, en tout cas, on continue les amis. Encore deux petits vampires à détruire les poteaux. Attendez. Voilà, un dernier va spawn ici. Il va m'attaquer pour que je dodge, attendez. Voilà, maintenant on est niveau 1000. Ah, 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 enfin les amis. J'ai 4 chiffres ici. Oh boy, et puis là je vais remarquer, j'ai mis 0 points dans mes statistiques. Ma bad. Le truc c'est que je développe tellement rapidement que je remarque même pas que j'ai besoin de mettre des trucs dans mes statistiques. Alors j'ai pogné des Vampire Fang, j'en ai 5. Sûrement pas améliorer mes trucs, la musique qui m'a mis si mieux ça. Anyway, on doit aller là-bas. Je n'ai pas besoin de bâtons, c'est pour les nulos cette affaire-là. On dirait bien que j'allais à Québec, les amis. Puis tout à l'heure, lorsque je dis que les bâtons c'est pour les nulos, c'est pas vrai. Je veux un bâton, je veux un navire, man. Et là, attendez une seconde, regardez ça. What the... J'arrive pas à sauter. Je vais sauter plus haut. Ah, what the hell, bro. Il m'a coupé un petit morceau de dos des... Oh, wow! J'ai spawné ici! En fait, il a fait ça pour m'aider! Oh, je le remercie, ce dude là, voyons donc! Donc, Snow Quest Giver! Please select a quest, Snow Trooper! Moi qui croyais que j'allais détruire Gecko Moria dans l'endroit où j'étais tout à l'heure. On dirait que non. Je suis déjà niveau 1020! Oh, j'arrive tellement pas à le croire! Je sais que je dis toujours la même chose, mais... C'est vrai, le truc, c'est que dans le temps, ça prenait... tellement de temps pour level up! Maintenant, en moins de 20 secondes, c'est le terminé! Ces bonhommes-là se font détruire! Et puis là, regardez ça! Ils ont pas appris que le Nitorio s'est passé date. On est rendu au Santorio, voyons donc. Anyway, on va activer le haki d'observation, comme ça je peux l'utiliser. Voilà, nice, nice. Donc, il reste encore 4 bonhommes à détruire et ensuite on peut passer à une autre quête parce que dans ce jeu, c'est à chaque 25 niveaux qu'on change de quête, à peu près. Des fois, c'est à chaque 50 niveaux, là, mais je suis sûr à 100% qu'au niveau 1025, on pourra faire de quoi. Alors, encore un bonhomme. Et voilà, Magico Ami. Ah, juste quand j'ai dit que c'est à chaque 25 niveaux qu'on prend une nouvelle quête, on dirait que non, c'est à chaque 50 niveaux ici. Ça va mal, mon affaire. C'est à mon photo, ce que je fais, c'est donner des petites gifs à mes adversaires et en moins de 2 secondes, ils sont à terre. Yo, le Bouddha, là, j'adore trop ce prix. Vous savez, Bouddha, il y a des attaques comme une pack, là, comme ça. Je l'utilise pas. J'utilise Bouddha juste pour me transformer en gros joueur de basketball. Ah, ok, je suis petit là, mais... Ouais, je me transforme en grand joueur de basketball en or. Et là, ouais, je suis super beau, n'est-ce pas? Et ça fait en sorte que ma portée d'attaque augmente lorsque je fais des attaques mêlées. Et c'est ça qui rend le jeu comme super facile à level up et tout. C'est tout simplement insane! J'arrive pas à le croire. Parce que d'habitude, dans ce jeu, il y a tellement de pouvoirs différents. Je peux, comme... lancer du magma sur mes ennemis, je peux avoir des bombes, je peux avoir ci, je peux avoir ça. Et tout ce que je fais avec le Bouddha, c'est être gros, attaquer les gens avec mes petites gifs. Et je suis le meilleur du monde entier. Le bonhomme le plus cheaté. C'est totalement incroyable. C'est pas en ayant des pouvoirs de fou qu'on va devenir super puissant. Non! Il faut aller au gym et il faut bien manger. Comme ça, on est grand et fort. That's it, that's all. Et ouais, j'ai oublié de mettre des trucs dans mes statistiques. Je suis vraiment désolé. Non. Hein? Attends. Oh!
max! What the hell, bro? Alors, 2550. Tout à l'heure, je suis comme, pourquoi je peux pas en mettre plus? C'est parce que j'en avais 1144 et j'avais vu que j'avais 18 points là, mais bon. Niveau 2550, c'est le max? Really? Moi qui croyais que je pouvais devenir plus puissant que ça. Attendez, mais. What the hell? Oh, ok. Ils ont respawn. Yo, ces mecs-là, là, je croyais qu'ils étaient en train de bugger. Ils avaient peur de moi parce que j'avais tellement de puissance. Alors, j'ai maxé. Melee. Alors, je suis supposé maxer quoi maintenant? Défense? Mais j'utilise pas Sword Gun ou Blocks Fruit. Je pourrais mettre dans Blocks Fruit, comme ça, je peux utiliser Impact. Level up ceci, comme le Mastery, mais. Peut-être dans le futur. Je crois que je vais mettre dans défense, comme ça j'ai beaucoup plus de vie. Ouais, c'est ça. Mon bonhomme est beaucoup trop cheaté. Incroyable. J'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est normal que j'utilise juste l'attaque de clic gauche pour pouvoir les attaquer et que j'utilise pas mes autres skills? Par exemple, le Steam Charge First ou le Deadly Shower ou même le Heavy Water Punch. Blah! Je vais même pas aller le chasser. Comme, tout ce que je fais, c'est clic gauche. Est-ce que c'est normal? Je veux le savoir. Est-ce que c'est moi qui joue mal? Mais voyez, quand j'utilise ces skills, ça les repousse et puis ça fait pas autant de dégâts. Même ça aussi. Quand je peux juste les slap, c'est beaucoup plus rapide, non? Ok, niveau 1076. J'ai pas de nouvelle quête. Il faut que j'aille à 1100. J'ai compris, les amis. Vous voulez vous opposer au grand majestueux splendide Sengoku? C'est pas la bonne chose à faire. Hacker de la bonne chose. Ciao, ciao. Vous pouvez pas me toucher. Et lui, il fait quoi? Il est pas en train de protester ou quoi? Oh, papa, reviens ici quand vous avez pris votre douche. Oh, oh là là, j'adore trop ce prix. Je sais, je le dis toujours, mais c'est vrai, les amis. En tout cas, il faut que j'aille à 700 mètres. Holy what. Vous le savez déjà, on n'a pas besoin de bateau, les amis. Ouais, sans bateau, là, je vais vous dire quelque chose, c'est super. Alors, j'utilise le sourire à longueur de journée, et puis ça fait mal aux pieds, les amis. Taper l'air comme ça, là, c'est pas facile. Alors, on est rendu où? Dans une usine? C'est là où qu'on est en train de confectionner le smile? J'ai tellement d'énergie, c'est incroyable, regardez ça. J'ai même pas déplété ma barre. Ben, je l'ai déplété à quelques quoi. 20%, même pas. Alors, pour vrai, je suis où en ce moment? Ouah, faut que j'utilise ma mémoire pour me rappeler c'est quoi cet endroit. Alors là... Oh, ok, c'est là où qu'on a rencontré Kinelman, non? Pour la première fois. Mais ça... Ouais, je pense que c'est là. Yo, y'a quoi à l'intérieur? Oh, wow! Joli laboratoire, Pépito! Est-ce que je peux faire T-Land Party et jouer à League of Legends? Non? Ok, alright. Moi qui voulais devenir Diamond. Ah, dans le temps, Diamond, là, c'était le plus haut rang. Maintenant, c'est quoi? Challenger? Il y a aussi Master, qui est avant Challenger, là, mais bon. Anyway, on continue. On va Lab Subordinate. Ouais, c'est que je dois détruire, puis là, mes statistiques. Dans le temps, chaque fois que je l'enveloppe, je mettais mes statistiques dans tout, comme dans Melee, dans Sword, dans Blocks Food, whatever, dépendamment de mes affaires. Mais maintenant, je les mets nulle part, comme quand je l'enveloppe, pour la simple et unique raison que j'en ai pas besoin. Dans le temps, j'en avais besoin, mais maintenant, non, c'est tellement incroyable. Alors, c'est eux, les Lab Subordinate. Yo, montre-moi ton attaque, frère. Pardon? Ah wow, tu attaques fort mon frère. Et peut-être que cet endroit c'est... Ouais, c'est l'endroit où on a trouvé King pour la première fois, n'est-ce pas? Oh, what? Brother, you wanna fight? Je suis prêt, je m'appelle Bouddha, let's go! Wow, j'ai tellement de vie, j'ai tellement de ci, j'ai tellement de ça. Tu ne peux pas me détruire. Oh, ok, attends, I'm so dead. Vous avez vu les dodges que j'ai fait, brother? J'aurais jamais dû me mesurer à lui. Moi qui croyais que j'étais puissant. Hein? Quoi? Il y a quelque chose qui a pris Order 1250 Great Boss? Et ça se passe à côté, je pense, hein? Oh! Comment j'y vais, les amis? Les amis, je vais y aller moi aussi, mais je sais pas comment! Je vais venir vous aider! Non, pour vrai, je vais voler le loot là, mais. Oh non, les potos, on a un gros problème. Je ne sais pas comment y aller. Est-ce qu'il faut aller en haut, selon vous? Non, plus je vais en haut, plus je me dirige au mauvais endroit. Ça va avoir l'enfer. Ne le tuez pas, les amis! Ma chère familière du monde entier, le Raid Boss est en train de se faire détruire. Et oh, Trafalgar là! Ça, c'est son room. Alors, le truc, c'est que ça n'a pas d'entrée, n'est-ce pas? Mais je peux pas y aller.
J'essaie depuis tout à l'heure. Il n'y a aucun autre endroit où je peux y aller. Oh my god, c'est la fin pour moi. Peut-être qu'il faut un party. Ouais, peut-être que je peux pas y aller seul. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes nombreux à me dire il faut que j'ai une team pour pouvoir compléter un raid pour un V2, mon Bouddha de je sais pas quoi. Je suis pas ça à 100%. Mais bon, je suis déjà assez puissant comme ça. Alors pour l'instant, c'est correct. Le raid boss va se faire détruire quand il aura perdu 27 000. 24 000 de vie, les potos. Moi, je suis là à taper les petits pions. Je n'ai pas le choix si je veux level up. Je n'ai pas trouvé l'entrée de cet endroit. Et en fin de compte, peut-être on n'est pas dans l'endroit où il y a Kin. Peut-être on est dans l'endroit où on a rencontré Caesar Clown la première fois dans son laboratoire. Je suis pas ça à 100%, mais je crois que c'est ça. Oh oh! Il est dead là! Oh, il n'y a pas d'explosion qui se passe? Rien du tout? Moi qui croyais qu'il allait avoir un gros kaboum ou quelque chose. Mais bon, j'ai vu, il y avait comme trois bonhommes là-dedans. Deux ou trois bonhommes là-dedans. Je suis pas ça à 100%. Mais ouais, je crois qu'il faut vraiment un party pour pouvoir aller là-bas. Anyway, j'ai bientôt level up à 125. Ensuite, je peux changer de quête. Alors, on va le faire rapido presto. Donnez-moi une seconde. Lab subordinate. Perfecto. Donc, on active le hacking d'observation. Et on va les détruire à la première personne. Pa, pa, pa. Pa, pa. On dirait qu'ils ont des bâtons de hockey, hein? Hein? Ah ben non. Ok, non, non. Ok, je sais c'est quoi. C'est les bâtons de sabot. Non, mais quand on joue à la première personne, regardez, tout est bleu. Attendez, c'est genre... Ah, ok. C'est à cause du haki. Pendant un instant, j'ai comme... C'est parce que j'utilise le water kung fu. Bleu. Water. Non? Vous voyez pas ce que je veux dire? On oublie ce que je viens de dire. Anyway, encore trois bonhommes à détruire et ensuite on peut changer de quête. Lui, il va apparaître dans quelques instants, non? Ah! Je me suis trompé d'endroit. J'étais un petit peu trop loin. Le dernier bonhomme à détruire, c'est lui. Et on va être niveau 125. 126. Perfecto. Et maintenant, on peut prendre l'autre quête. Et là, je crois que c'est les Lava Warrior... Horn Warrior, pardon. Et je crois qu'ils sont... Là-bas, je les avais vus avec mon hacking d'observation à un moment donné. Ah non, c'est... Lava Pirate. Ah, ok, je me suis pas trompé, c'était vraiment des Lava Boys, c'est là. Ok, ok. Encore 7 bonhommes à détruire, et puis nous sommes Tigidou. On va être niveau 1152, selon moi. Ouais, ça va être super génial. Ah, c'est vrai, il est toujours le hacky. Attaque-moi, bro. Wow, je peux faire beaucoup de dodge, vous avez ça. Avant, là, je pouvais juste en faire 2 ou 3. Maintenant, j'en ai fait comme 8. Pas à 100%, mais ça me oui. Anyway, on continue. Encore 2 autres bonhommes et ça va être Tigidou. Voilà, perfecto. Et c'est terminé. Nous sommes au niveau 1152 et nous avons une nouvelle quête. Alors, j'ai monté de 200 niveaux en combien de temps? 1h22 minutes et 50 secondes. Wow, c'est un record. En temps normal, là, si j'avais pas Bouddha, ça m'aurait pris 4 heures. Alors, le premier boss de la journée, en 200 niveaux. Smoke Admiral, c'est-à-dire Smoker. Mais le problème, c'est que je sais pas où ce qu'il est. Je crois que je sais où ce qu'il est. Est-ce qu'il est là-dedans? Le truc, c'est que je l'ai jamais rencontré auparavant, mais... J'ai Server Hop. Et il est vraiment là-dedans, les potos, c'est vraiment Smoker. Alors, on est vraiment dans l'endroit où il y avait Caesar Clown, là. Oh, oh, mon Dieu, regardez. Il est super fâché, tout comme Smoker dans la vraie vie. Alors, je veux voir à quoi ressemblent ses attaques. Vas-y, Pépito. Est-ce que je peux avoir ton épée dans le futur? Ok, attendez. Ha, ha! Oh, c'est vrai, j'ai pas activé le haki. Come on, bro. Ça, c'est juste un petit dash ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je crois même pas que j'ai besoin d'utiliser Bouddha pour le détruire, hein. Oh, moi qui croyais que t'allais faire quelque chose de plus impressionnant, mais pour l'instant, c'est pas wow. T'as pas d'autres attaques, mon frère? Come on! Je sais que tu peux le faire, Pépito! Allô? Non, ok, je crois pas qu'il y ait d'autres... Ok, vous savez quoi? On va le détruire! Je n'ai pas besoin de le transformer en Bouddha! Je n'ai pas peur... Oh, c'était quoi cette affaire-là? C'est pas moi qui ai fait ça! Oh! Ok, non, non, this is not good! Blah! C'est la première fois que j'utilise mes compétences! Ça, c'est si j'avais pas Bouddha, là. Mais quand j'ai Bouddha, j'ai pas besoin d'utiliser ses compétences, mais... Avoir Bouddha, là, ça change vraiment tout. Mais vraiment, vraiment, vraiment tout. Lorsque je me transforme comme ça, là, je vais même pas me faire toucher une seule fois. Pas besoin d'utiliser Haki d'observation. Regardez ça. Ah, c'est vrai. Haki. Attendez. Voilà. Ça change vraiment tout. C'est crazy. Wouah!
J'ai pas eu son job malheureusement, mais je l'enveloppe super beaucoup et j'adore ça. Alors, c'est vrai. Ici là, est-ce que je mets tout dans défense maintenant? Ou bien je mets un peu dans Brock's Fruit, je mets un peu dans Sword. Sword, je crois pas que ça vaut la peine de le mettre là-dedans, mais mêlée là à 2550 plus 174, moi je ne dis pas non à ça. Anyway, les potos, on va prendre une petite pause parce que j'ai plus le temps de jouer, je dois aller faire l'épicerie. Et on continue notre aventure la prochaine fois. Alors mes chers potos, ça va être tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Nous allons continuer notre aventure demain? Après-demain, je suis pas sûr à 100%, j'ai envie de jouer à ce jeu chaque jour. Mais il y a d'autres jeux que je veux jouer aussi, là, il y a tellement de jeux à jouer, c'est crazy. Mais, je sais pas, dis-moi ce que je devrais faire et je vais le faire. Alors aujourd'hui, on est devenu le bonhomme le plus cheaté sur Roblox Blox Food. Regardez ça, dans mes lits là, 2550 points, c'est le max, je peux pas en mettre plus. Alors je peux pas taper plus fort que ça, voyons donc. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel. Me suivre sur ses réseaux sociaux, blabla. Thank you very much for the support, amigo. Et surtout, vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye.